J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien oui, nous revoilà ensemble pour le budget du mois de septembre. C'est un budget pour certains particuliers puisque c'est la rentrée. D'autres au niveau budget, ça va relativement puisque ils ont réussi à budgétiser tout le long de l'année. Donc, ça va en règle générale. Euh, c'est moins dur. Moi, je fais partie de ces gens-là, j'aime bien anticiper énormément de choses, voire également anticiper les imprévus, ce qui n'est pas toujours facile. Mais concernant les rentrées, j'aime bien anticiper beaucoup. Et oui, je suis une maman de cinq enfants, donc au fur et à mesure, il a bien fallu euh, s'y prendre de bonheur pour acheter ceci, pour acheter cela, pour euh, euh, penser. Pour la rentrée. Donc vous allez voir mon budget pour le mois de septembre, euh, sachant que moi les fournitures scolaires sont déjà faites depuis le mois de juillet, que j'ai déjà anticipé pour les achats euh, des vêtements, des, des chaussures. Il ne me restera plus qu'à régler le montant euh, euh, du sport. Mais ça aussi, je l'ai déjà aussi anticipé. Donc, vous ne le verrez pas dans mon budget du mois de septembre. Tout simplement, puisque ça a déjà été anticipé. Voilà. Donc, c'est parti. Euh, nous allons pouvoir voir mon budget du mois de septembre. Faisons-le ensemble. Voilà. Je vous mets bien droit. Donc là. Déjà, c'est pour le mois d'août 2023. Je crois bien. Voilà. Je vous fais des bêtises. Voilà, en premier, si je prends la, la bonne feuille, ce sera mieux. 2023. Donc, commençons par mes rentrées. Comme d'habitude, j'ai mon salaire ainsi que la CAF. Comme d'habitude, je ne vous mettrai pas mes montants, ainsi que le total. Ensuite, concernant mes dettes, comme d'habitude, c'est le compte-enfant, ainsi que le loyer. Et comme d'habitude, je ne vous mettrai pas mes montants. Vous allez libre à vous d'en rajouter si vous avez autre chose, et dans les rentrées et dans les dépenses. Voilà. Euh, je vous ne mettrai pas non plus par exemple la rentrée scolaire ici, euh, ici pardon, alors que c'est la CAF, mais euh, c'est une, une prime supplémentaire, tout simplement puisque cette rentrée scolaire va sur le compte directement. Je fais un virement, moi directement, pour sur le compte des enfants, puisque c'est de l'argent qui leur appartient pour euh, leur année scolaire. Donc je mets ça directement sur le compte des enfants. Qui est un autre budget que ce budget-là. Voilà. Alors, c'est parti. Là, maintenant, par contre, je vais pouvoir vous zoomer. C'est parti pour mes dépenses fixes. Alors, mes dépenses fixes en assurance, 73 euros. EDF, on reste sur 107 euros. Un petit 1 là. Voilà. Euh... Free sur 102 euros. On verra si je reste à Free puisque ma foi j'en suis déçue. Alors, je ne sais pas si je vais le garder, si je vais arrêter avec cet opérateur euh, très bientôt ou si j'attends de déménager à la fin de l'année pour m'en séparer. Quoi qu'il en soit, il va falloir que ça change puisque lorsque nous euh, lorsqu partons à vacances, nous captons très mal. Le wifi chez moi c'est pareil, je capte très mal. Euh, euh, ça ne vaut absolument pas Orange dans ma région en tous les cas. C'est vraiment pas la même chose qu'Orange. Ils me disent que je paye que 2 euros plus cher que Orange. Euh, là, je n'ai pas eu le temps en mois d'août de réellement euh, le voir, mais j'espère bien que je ne paye pas plus que ça, parce que sinon je partirai de chez eux. Ça, c'est sûr. Donc, les abonnements sont de 16 euros comme les autres fois. Et provision sur sont de 192 euros comme les autres fois. Ce qui me fait un montant total de 500 euros. Tout pile. Concernant mes dépenses variables. Alors, mes dépenses variables ne changent pas. Mes imprévus sont de 100 euros. PayPal est de 50 euros. Et mon PEA de 30 euros. Pour l'instant, je laisse 100 euros. Ce qui me fait toujours un total de 180 euros. Je n'ai toujours pas euh, mon self puisque je n'ai je toujours pas le droit de reprendre le travail à temps complet. Et bien maintenant, je vais passer... À mes enveloppes alors mes enveloppes en alimentation je vais voir je mets 300 euros comme ce mois ci je vais voir si au mois de septembre ça me suffit puisque eh bien j'ai les deux congélateurs qui sont pleins donc je vais essayer de taper dans, le congé... dans les congélateurs petit à petit pour les faire diminuer par rapport au déménagement ce qui éviterait de déménager de la nourriture inutilement l'hygiène entretien je laisse 30 euros, puisque je n'ai pas tout acheté au mois d'août, je n'ai pas eu le temps, et il me reste encore des choses. Carburant. Donc, carburant, euh, je mets 120 euros, puisque logiquement, je devrais bouger euh, beaucoup moins cette, euh, ce, ce mois-ci, moins dans la première quinzaine. Donc, j'en ai enlevé. Tout simplement, j'ai enlevé 30 euros, tout simplement, j'espère que ça va aller. Sinon, et eh bien, je m'arrangerai euh, en prenant, par exemple, dans l'enveloppe des divers, mais normalement, je ai, je n'ai pas besoin et les 120 euros devraient me suffire. En habillement, en eh bien, il me faut encore de l'argent, étant donné, comme je vous disais, je fais mes cartes d'Europe capsule et euh, je... Du poids depuis mon arrêt de travail. Là, malgré tout, j'ai repris le travail depuis plusieurs mois, mais le poids, je ne le perds pas. Au contraire, je prends du poids encore et encore. Donc, j'ai pas le choix, il faut que j'achète des vêtements. Et je préfère acheter sur Vinted, ça me revient un peu moins cher quand même. Et donc, du coup, c'est pour ça que je reste à 40 euros. Beauté. Alors, la beauté, un petit peu particulier je laisse 40 euros pour l'esthéticienne sachant que je n'y vais quasiment plus euh, bien pour raconter ma vie personnelle j'ai acheté une lumière pulsée qui me fait ne plus aller chez l'esthéticienne pour ça mais je vais garder quand même cet argent là puisque euh, j'aimais bien il y a quelques années aller chez l'esthéticienne pour des soins pour des massages pour ce genre de choses là, et grâce euh, à mes petites enveloppes, je vais pouvoir y retourner. Ce sera plus en forme de cadeau, mais ce sera moi qui me le paierai. Donc, d'ici à la fin de l'année, je garde cette enveloppe là, mais normalement, je devrais le mettre dans les épargnes. Donc, là, c'est juste pour euh, faire la transition. Donc, je mets, vous voyez, une petite étoile, un petit astérix, puisque euh, je vais l'année prochaine mettre ça dans les épargnes, euh, ce qui est, j'aurais dû, euh, si j'aurais voulu, le faire directement là. Mais là, je veux me faire une petite transition. Donc, je l'enlève bien en même temps que mes enveloppes au niveau de, de mon compte bancaire. Je l'enlève bien en même temps que les autres enveloppes, mais euh, cette enveloppe là ira directement après avoir été retirée dans mon classeur euh, des épargnes. Là c'est juste pour ma petite transition finalement. Alors après, j'ai les loisirs. Mes loisirs sont de 50 euros. Les extras également qu'il fait encore beau et que je pense qu'avec les enfants, nous pourrons aller euh, à divers endroits. Et les divers, 50 euros également. Ce qui me fait un total pour ce mois-ci de 280 euros. Et donc, je vais pouvoir mettre beaucoup plus de choses dans mes épargnes. Toujours euh, ma, mon épargne. Ah zut, hop, épargne de précaution, mon épargne de précaution qui est de 50 euros, environnement, voilà, et mes retraits pour mes épargnes. Alors, les anniversaires de 60 euros, les colis de 20 euros, entretien des véhicules de 40 euros maison 50 euros noël 60 euros promo automne 30 euros en stock alimentaire alimentaire de 50 euros mais ah j'avais oublié ma santé excusez moi la santé 20 euros les soldes soldes 50 euros et là j'ai passé cette place donc je mets mes vacances de 60 euros et les week end 20 euros ce qui me fait un total de 510 euros en réalité il me restera 3 euros que je laisserai euh, bien sur mon compte pour faire mon budget à 0 euros comme d'habitude le mois dernier je vous avais mis par exemple je vous avais mis à la suite un petit astérix. Ce petit astérix me sert à me souvenir que j'ai bien retiré 60 euros pour les anniversaires, mais que j'ai terminé mon enveloppe. Elle est euh, complète. Donc ces 60 euros-là iront dans d'autres enveloppes qui ne sont elles pas complètes pour aller plus vite euh, à terminer toutes mes enveloppes d'épargne. Comme ça, euh, je serai plus sereine d'ici à la fin de l'année puisque euh, je retire la même somme pour pouvoir euh, remplir les autres. Et euh, vous me direz, si par bonheur j'ai terminé toutes mes enveloppes, comment est-ce que je fais Premièrement, euh, je ne les ai absolument pas toutes terminées et je ne les terminerai pas toutes d'ici à la fin de l'année. Sinon, ça serait signifier que j'ai mal calculé euh, par mois combien il faut mettre par enveloppe. Et deuxièmement, euh, lorsque j'aurai terminé, ce sera peut-être au mois de décembre par exemple, ou au mois de novembre, je ne sais pas, si j'ai tout terminé, eh bien je commence à anticiper pour l'année prochaine. Ou alors si j'ai un coup dur, et eh bien ce mois-ci, il n'y aura, aurait pas d'enveloppe. Épargne. Voilà. Jusqu'à présent, ça a l'air d'aller, excepté le début de l'année qui a été très compliqué pour moi. Mais là, maintenant, ça a l'air d'être parti. Donc, euh, tout simplement, j'essaye de les terminer le plus tôt possible pour pouvoir anticiper pour l'année prochaine. Mon but étant, euh, je, je le rappelle, d'avoir une année entière d'épargne, d'enveloppe épargne, d'avance. Euh, par exemple, pour vous, oui, pour vous donner une idée, euh, là nous sommes en 2023. Euh, j'aurais dans mon idée, j'aurais aimé constituer en 2023 mes enveloppes épargnes pour 2024. Et celles de 2023, je les avais déjà à disposition. Comme ça, c'est plus facile et ça me donne un état d'esprit plus clair moins stressée de savoir si j'ai assez ou pas assez d'argent pour, par exemple, payer mes entretiens de ma voiture et euh, de mon vélo. Euh, par exemple, là, en, au printemps, j'ai eu euh, euh, des frais sur ma voiture. C'est des frais tout à fait classiques, c'est de l'entretien. Euh, là, je sais qu'il va falloir que j'y retourne puisque ma clim n'est absolument plus chargée puisque je ne sens plus de frais. Mais j'espère que je n'ai pas un problème non plus avec ma ventilation, puisque il euh, y a un problème de puissance au niveau euh, de, la, de la ventilation. Et qu'actuellement, là, mon vélo est parti en réparation également. Euh, donc, il faut avoir tout ça d'argent de côté. Si ça nous tombe en début d'année, eh bien, c'est galère. Si ça nous tombe en fin d'année, normalement, on devrait pouvoir. Euh, avoir suffisamment d'argent dans les enveloppes pour pouvoir prendre, vous voyez, par exemple, dans la santé, ce genre de choses-là. Mais si ça tombe en début d'année, c'est bien la galère. Donc, je voudrais bien avoir entre six mois et un an euh, d'avance concernant mes enveloppes épargnes. Mais ça, ça va se faire sur plusieurs années puisque je ne veux pas euh, me mettre en difficulté et avoir tout d'un coup. Non, donc, je préfère sur plusieurs années, la fin de, de l'année me sert à euh, commencer la nuit suivante un peu plus tôt un mois un peu plus tôt et un mois un peu plus tôt à chaque fois vous voyez c'est c'est pas tout de suite c'est sur plusieurs années que je voudrais faire ça s'il y a la possibilité sachant que l'année prochaine je me suis aperçu que j'ai au moins deux ou trois autres enveloppes à rajouter donc c'est vraiment pas sûr que je puisse faire ça on verra on verra bien quoi qu'il en soit mon budget du mois d'août euh, du mois d'août, pardon, du mois de septembre est terminé. Il va falloir maintenant aller retirer de l'argent pour mes enveloppes et de l'argent pour mes épargnes. Et voilà, c'est bon pour moi, pour ce, ce budget. J'espère que vous, que tout euh, va bien se dérouler, que vous n'allez rien oublier, que vous avez suffisamment anticipé la rentrée au niveau de vos enfants pour ne pas vous retrouver. Dans les embêtements au niveau du budget. Voilà. Mais je sais que tous les ans, c'est pas facile de penser à tout concernant les enfants, surtout si on en a 2, 3, 4 ou 5 comme moi. Enfin, l'aîné, moi, maintenant, il se gère tout seul. Euh, bah, les deux aînés, à vrai dire. Donc, ils ne sont plus à la maison réellement. Mais ils ont quand même des petits frais, ceci, cela. Ils me demandent quand même des choses. Euh, donc, il faut quand même anticiper au niveau des papiers aussi. Il y a déjà pas mal de choses à s'occuper euh, pour les enfants, au niveau des papiers pour la rentrée scolaire. Donc, autant se libérer de la charge mentale pour plein de choses. Voilà. Je vous dis maintenant, eh bien, à une prochaine vidéo. Et je vous dis bon courage pour faire votre budget du mois de septembre qui n'est jamais le plus facile. Voilà. Au revoir tout le monde, portez-vous bien